Bonjour à tous. Lorsque l'on effectue du web scrapping, il est souvent utile de pouvoir incrémenter un URL, autrement dit de pouvoir recréer automatiquement des URL. Voyons tout de suite ce que ça signifie. Effectuons une recherche Paris dans Airbnb par exemple. Comme vous le savez, Airbnb ne renvoie jamais que 300 résultats au maximum. À Paris, où il y a bien évidemment plus de 300 logements en location, nous avons un maximum de 17 pages de résultats. Si l'on clique sur la page 2, nous voyons que l'URL a été modifiée et elle nous indique page 2. Si nous modifions ceci nous-mêmes et indiquons page 6 par exemple, Airbnb nous renvoie, oui, je ne suis pas connecté donc il n'aime pas cela, nous renvoie la page 6. Ce que nous voulons faire tout simplement, c'est reproduire ceci automatiquement. Autrement dit, nous allons effacer ceci car ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est Airbnb qui l'a créé lui-même. Nous voulons la page 1 et ensuite nous voulons la page 2 et ensuite nous voulons la page 3, etc. jusqu'à 17. Lorsque l'on veut faire ce genre de choses, le premier réflexe est de se rendre dans Excel. Je vais effacer ceci et le reproduire pour effectuer ce que l'on appelle une concaténation. Autrement dit, nous prenons la base de l'URL, nous la recopions 17 fois, nous indiquons un chiffre que nous incrémentons autant de fois que nous avons de base d'URL, et ensuite, on effectue une concaténation entre les deux. On prend ceci, point virgule, on ajoute cela, on referme la parenthèse, on clique sur la petite tirette magique et on obtient les 17 URL que l'on souhaite. Voilà qui semble répondre parfaitement à nos besoins, mais comment faire si plutôt qu'un URL, nous en avons plusieurs? Nous avons par exemple ici la base de l'URL de Paris, Bordeaux, Lyon, Marseille, etc. Et pour chacune d'elles, chacun d'eux, nous voulons les pages 1 à 17. Comment faire cela dans Excel? Je vous avoue que je ne sais pas. Je ne suis pas un Excel ninja. Peut-être qu'un spécialiste pourrait nous donner une solution en VBA extrêmement rapide. Mais en tout cas, je ne la connais pas. Donc, nous allons voir comment effectuer cela dans OpenRefine. Nous avons ici nos 9 URL. Ce que nous voulons, c'est pour chacune ou pour chacun, obtenir les pages 1 à 17. Lorsqu'on se réfère à la documentation d'OpenRefine, on voit qu'il existe une fonction forRange qui permet de faire cela, mais je vous mets au défi de comprendre les explications. Si vous les comprenez, en tout cas, vous n'avez pas besoin de cette vidéo. Pour les autres, nous allons les reproduire afin de mieux les comprendre. Nous créons une nouvelle colonne à partir de la première, nous l'appelons n'importe comment, et voyons donc quelle est cette mystérieuse formule Grail. Donc, il faut indiquer forRange et quelque chose entre parenthèses. Ce quelque chose, c'est numberFrom, c'est-à-dire à partir de quel chiffre veut-on commencer à compter. Nous voulons commencer à partir de 1. Jusqu'à quel chiffre veut-on arriver? Admettons que nous voulions 17, dans ce cas, nous indiquons 18. N'oubliez pas, en informatique, on compte à partir de 0. Donc, le 18e élément d'une liste qui commence par 0, c'est 17. Number step, c'est le pas. De combien veut-on avancer à chaque fois entre 1 et 18? Nous allons indiquer 1. Autrement dit, il faudra passer de 1 à 18 en ajoutant chaque fois 1. 1, 2, 3, 4, etc. Variable V, vous pouvez indiquer ce que vous voulez. Ici, l'appel V, on peut l'appeler E, par exemple. Et enfin, le dernier élément, c'est que veut-on faire avec les variables que l'on stocke dans E. On peut, par exemple, les reproduire telles quelles. Donc, cela nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 17. On peut leur ajouter un élément par concaténation. Donc là, nous voulons les chiffres de 1 à 17 auxquels on ajoute chaque fois la lettre T. On peut effectuer des additions. Ici, nous avons les chiffres de 1 à 17 et chaque fois, nous leur ajoutons 3. Mais ce que nous voulons faire ici, c'est plutôt prendre la valeur qui se trouve dans la cellule, qui s'appelle value, et chaque fois, lui ajouter E. Comme vous le voyez, nous avons comme résultat Airbnb.be Paris, page 1, etc. C'est presque bon,
Sauf que le résultat nous est fourni entre crochets, ce qui signifie dans OpenRefine que c'est une liste. Or, OpenRefine ne peut pas afficher une liste directement comme ça. Il faut d'abord la joindre, utiliser la fonction join et indiquer entre parenthèses et entre guillemets l'élément, le séparateur que nous voulons utiliser pour joindre les éléments de cette liste. Prenons de préférence quelque chose qui n'existe pas dans la vie réelle, par exemple trois barres verticales, c'est quelque chose que l'on ne rencontre jamais dans un texte. Et comme nous le voyons, il nous a réuni chaque URL à l'aide de trois barres verticales. À partir de là, comme vous le savez, il est très très simple de reproduire. Nous allons utiliser ici comme séparateur les trois barres verticales. Et nous avons reproduit pour chaque URL la liste des pages 1 à 17.